Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de mon podcast euh, lecture, où nous allons parler uniquement de livres que j'ai pu lire. Je vous parlerai quand même juste après, euh, enfin, à la fin, du livre que je vais commencer juste après cet épisode. Mais il n'y a pas de, de réception de livres, d'achat de livres. On arrive dans cette période début -tout où tout, bah, voilà, tout le monde est, est enfin, tout le monde. Beaucoup sont en vacances, le rythme ralentit et, et tout. Et donc, euh, bah pour moi, c'est le moment où je dois profiter <laughs> pour lire, euh, lire, 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 sachant qu'il y a moins de livres qui entrent dans ma palle. Je suis encore en vacances pour euh, quelques jours, plus beaucoup. J'ai été dans une, euh, dans une petite période où je lisais un livre par jour, donc c'est cool. Et s'il n'y a pas de livre qui entrent dans ma palle, ça veut dire que chaque jour, il y a un livre en moins dans ma palle. <laughs> Voilà, <laughs> donc c'est plutôt cool. Au tout début de l'épisode, je vous ai mis quelques images de Honfleur. On a passé une journée là-bas. Euh, en fait, on a vu, on a regardé la météo. Chez nous, il était prévu 36 degrés. On a regardé sur la côte la plus proche de chez nous, c'est-à-dire euh, Honfleur de Ville, etc. Et j'avais très envie de retourner à Honfleur. Euh, c'est à euh, quelle... Bon, on n'y avait pas été l'année dernière, je crois qu'on y avait été l'année d'avant, donc euh, voilà, ça, ça me manquait un peu, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et on en a profité pour, euh, pour passer une journée complète là-bas. au début, on s'était dit, on fait Honfleur, on fait d'autres villes, on fait d'autres villes. Et puis en fait, on a fait que Honfleur, euh, on a fait du bateau à Honfleur, euh, mon mari et les enfants ont fait la grande roue à Honfleur, on ils ont fait du manège, enfin voilà, on a mangé euh, au bord du port, euh, on a vraiment, vraiment euh, euh, vu tout, on a été à la plage, donc on s'est baigné cette année euh, dans la Manche, dans le... L'océan Atlantique dans la mer Méditerranée. On a profité complètement de Honfleur, donc je suis contente de connaître davantage cette ville. Euh, du coup, je, ça me paraît bon. Euh, si on n'y va pas l'année prochaine, c'est pas grave, j'aurais vu hein, totalement Honfleur. Mais j'aurais bien envie de faire la même chose à Deauville maintenant. Donc, à euh, donc voir. Voilà, donc, euh, ce que, les images que vous avez vues sont à Honfleur. Il faisait en plus un temps magnifique. C'était très simple. Maintenant, on passe vraiment aux livres que j'ai lus. Euh, alors, qu'ai-je lu Eh bien, ils sont dans tous les sens. Voilà. Alors, c'est quoi en haut C'est ma <laughs> ma liseuse, euh, puisque j'ai lu Une épreuve non corrigée, Charles Voilà. Alors, dans l'ordre dans lequel j'ai lu ces livres, ça a donné quoi euh, Ouais, c'est comme ça. Je fais toujours un planning de lecture, un planning de lecture accessible, ce qui me permet si jamais j'ai moins le temps de lire que prévu, de pas me stresser, et si jamais j'ai plus de temps pour lire que prévu, ça me permet de caser des livres que je n'avais pas prévus tout de suite. Voilà, cela en font partie. Et, euh, et voilà, moi bon, ça globalement ça me va bien, ça m'aide beaucoup le planning de lecture à à ne pas me poser de questions. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, il y a quelques jours, il y a deux jours, trois jours, j'ai fait mon planning en fait de, de lecture de septembre, grosso modo, avec beaucoup de marge si jamais j'ai besoin, pour X raison, d'insérer de, de, un livre. J'ai fait mon planning de lecture en fonction des prochains salons. Euh, le prochain salon où j'ai prévu d'aller, c'est le Festival Sans Nom à Mulhouse. Euh, donc ça, c'est fin octobre, mais euh, je ne pense pas que je pourrais faire d'autres salons d'ici là. Et donc, j'ai fait mon planning en fonction de ce salon en me disant, voilà les auteurs qui seront présents. Euh, de ces auteurs présents au salon, voilà les livres que j'ai dans ma palle. Et ce serait quand même cool de lire les livres euh, des auteurs qui seront présents avant euh, ce salon. Donc c'est un peu ce que je me suis fixé. Euh, j'ai notamment un livre de Nicolas Lebel, euh, son, son, le, le premier livre d'une série que j'ai acheté à, à, à La Nuit Blanche des Livres. Pas l'édition 2022, mais l'édition 2021. Donc euh, ce serait bien que je le lise enfin de façon à ce que je puisse euh, voir l'auteur et, et éventuellement acheter la suite si j'ai bien aimé. Euh, il me reste un livre d'Alexis Lebskier à lire. Est-ce que je le lis tout de suite ou pas À voir, sachant que là, je les ai tous. Hein, ce qu'il a écrit. Euh, Henri Lovenbruck, j'avais acheté un livre de lui à Brive. Je l'ai pas lu. Euh, ce serait bien que je le lise hein, quand même. Euh, alors, il y aura Olivier Norek. Euh, bon, J'ai quand même lu beaucoup de livres d'Olivier Norek ces derniers temps. Est-ce que je pousse le truc jusqu'à me dire que je vais être totalement à jour dans tout ce qu'il a écrit avant à voir, il euh, y a euh, Claire Favant. J'avais acheté la chair de nos, la chair de sa chair à, à Brive euh, parce qu'elle était présente et tout, mais je l'ai toujours pas lu. Depuis, ce livre est sorti en poche. En plus, c'était, il a remporté le, le prix du festival son nom. De l'édition précédente. Donc, euh, ce serait bien que je le lise avant d'aller euh, au festival sans nom et si ça me dit bien d'en de, euh, acheter un autre là-bas et de le faire dédicacer. Voilà, il y, y en a pas mal comme ça. Un livre de Mathieu Le Serge, j'ai acheté à, à saint maurent en poche. Euh, mais bon, j'ai organisé mon planning en fonction de ça et j'ai organisé des lectures communes. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder mes stories à la une euh, sur Instagram. Euh, voilà. Donc, euh, voilà un peu comment je me suis organisée et puis l'avantage vraiment de des livres que je prévois en, en, dans mon planning de lecture, c'est que euh, je ne me pose pas de questions. Je, dès que j'ai fini un livre, je regarde mon planning, j'ai prévu celui-ci, etc., etc. Quand j'ai de l'avance sur mon planning, du coup, je, je tombe dans un, dans un moment où j'ai de l'avance, j'ai une journée, une journée et demie d'avance sur mon planning. Je suis en vacances en ce moment, une journée, une journée et demie, ça représente un livre lu, donc euh, je mets quoi donc, euh, et c'est là où, où je suis moins efficace et où je vois l'intérêt du planning de lecture. Donc, j'ai une petite pile de livres que j'aimerais lire si j'ai le temps, et ces livres en faisaient partie. Donc, je les ai piochés dans, dans ma pile. Là, en l'occurrence, euh, j'avais de l'avance, mais j'avais deux jours d'avance et j'ai pu caser ces deux livres voilà euh, après je vais essayer de caser des livres en fonction de de de, bah, de la taille du livre du temps que j'ai euh, voilà mais il y a un côté je trouve un peu perturbant parce que j'ai de l'avance donc c'est trop bien et en même temps je suis perdue parce que bah je prends lequel en fait j'ai le choix et je passe du temps à faire un choix et euh, c'est du temps qui peut être perdu <laughs> c'est du temps en fait que que j'ai pas habituellement puisque avec mon planning les lectures s'enchaînent réellement donc j'ai enfin Sorti celui-ci de ma l'été meurtrier d'Oxford, flagrant délice, c'est le tome 3. C'est ce livre, cette version que j'ai là, est en auto édition. Euh, je vous en avais parlé. Le... Donc, si je lis le tome 3, c'est que j'ai lu les deux premiers et euh, ils sont sortis chez City. Sinon, ils sont en auto édition. Euh, vous pouvez retrouver ça euh, notamment sur euh, sur Amazon. Je... Le quatrième tome est sorti en auto-édition, le cinquième doit sortir à la fin de l'année. C'est une série de cosy mystery que j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Euh, écrite donc par HY Anna, traduite par euh, Diane Garro, et euh, j'ai reçu les trois premiers en service presse. Je. Je suis pas très auto-édition. Je vous le dis à chaque fois que je vous parle de, de ces livres-là. Je suis pas très auto-édition. J'ai tendance à me dire, il y a tellement de livres édités que... Euh, pourquoi je vais aller regarder euh, parmi les livres auto-édités qui n'ont pas trouvé d'éditeur en fait. Donc euh, voilà, j'ai ça, ça fait euh... enfin c'est moche dit comme ça mais c'est un peu ma façon de, de raisonner, euh, puis j'ai tellement de livres à lire et tout, je vais pas aller gratter et regarder ce qui se passe en auto-édition. Mais en fait celui-ci vient démentir tout ce que je pense parce que c'est un livre auto-édité qui est très bon et depuis il a été édité mais il est vraiment très bon. Je J'aime beaucoup cette série. Alors, elle peut faire penser aux enquêtes d'Anas Svensson euh, parce qu'on a, eh bien, euh, la Gemma Rose qui euh, tient un salon de thé. Alors, elle n'est pas du tout douée en cuisine, en pâtisserie. Elle en vend. Elle Le salon de thé lui appartient, mais elle n'est pas pâtissière, contrairement à Anna Svensson. Mais elle se retrouve dans des enquêtes qui peuvent être un peu similaires elle euh, et puis dans sa vie amoureuse en fait elle est tiraillée entre euh, un médecin et un policier. Anna Svensson est tiraillée entre un policier et un dentiste. Bon. Il peut y avoir pas mal de similitudes. Mais pourtant, quand je le lis, eh ben, j'ai pas l'impression de lire une copie conforme des enquêtes d'Anna Svensson. Entre, en fait, j'ai découvert cette série de cosy Mystery au début de l'année, ou toute fin d'année dernière, je sais plus exactement. Et, euh, entre temps, j'ai lu un autre tome des enquêtes d'Anna Svensson. Et j'ai pas, j'ai vraiment pas eu cette sensation de euh, de lire deux fois la même chose euh, l'écriture est et j'apprécie les deux hein. vraiment j'apprécie les deux séries de Cosy mystery l'écriture euh, est vraiment très fluide ce que j'apprécie et ce qui est assez rare dans les Cosy mystery c'est que la narration est à la première personne et moi j'ai vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup je trouve ça très immersif je je trouve que ça aide beaucoup plus à se se mettre dans l'histoire et euh, et voilà j'aime vraiment beaucoup euh, depuis que j'ai découvert cette série de Cosy Mystery j'en ai lu beaucoup d'autres euh, qui m'ont pas du tout plu donc euh, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu une pause sur ce, ce genre littéraire parce que euh, il a tellement de succès qu'il y a des séries qui sortent qui sortent qui sortent et un peu tout et n'importe quoi enfin en tout cas des choses qui moi ne, ne me conviennent pas du tout donc euh, j'ai fait une petite pause mais j'ai retrouvé avec grand plaisir cette série que j'apprécie réellement et qui pour moi a tous les codes d'une série de Cosy Mystery euh, Gemma Rose qui est donc euh, le, le, la narratrice, le personnage principal. Elle est vraiment très attachante et elle est pas nunuche. <laughs> elle a pas ce côté où euh, on voit tout euh, bien avant elle où on la voit se mettre en danger où on la voit. Non, il y a les codes habituels du cosy mystery, mais elle est, elle est attachante. Elle est, euh, on arrive à suivre son raisonnement. Euh, elle, euh, bon, il y a toujours le côté où elle veut mener sa propre enquête alors qu'elle est pas policière, etc. Mais ça, euh, c'est quand même la base du cozy mystery. Hein. Euh, un cozy mystery où l'enquêteur serait un policier, ce serait plus un cozy mystery, ce serait un roman policier, voire un thriller, mais euh, ce serait pas du tout un, un cozy mystery. Donc forcément, il y a des choses qu'on retrouve, mais je, je trouve cette héroïne vraiment attachante, vraiment agréable, et, euh, et, et puis bah, maintenant que j'ai lu ce tome 3, j'ai envie de lire le tome 4, <laughs> et j'ai envie de me tenir prête pour, pour le tome 5. Les couvertures, elles sont toujours Superbe, j'aime vraiment beaucoup 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 ces illustrations. Et dans la... Donc je vous parle moi de, de la version auto-éditée parce que même si j'ai reçu en service presse le premier tome chez City, euh, bah, j'ai quand même tout lu en, en auto-édition et j'apprécie beaucoup la police de caractère de, de la version auto-éditée. Alors ce qui est très rigolo c'est que moi je note toujours le nombre de pages que je lis. Et euh, du coup, quand on commence le livre, il y a un sommaire avec tous les chapitres et le, le, le numéro de page correspond, correspondant au chapitre. Et l'histoire commence à la page 3. C'est rare hein, dans un livre qu'on commence comme ça, direct à la page 3. À la fin, on a un épilogue, on a un petit blabla à propos de l'auteur. Et puis, on a euh, une recette. Voilà. Donc euh, l'objet livre, je le trouve très sympa. Les couvertures ont été reprises dans les versions euh, éditées par City. Voilà. Donc dans cette histoire, eh ben, on retrouve euh, on retrouve Gemma Rose euh, qui a un, un ami euh, universitaire qui est accusé de meurtre à tort. Tout 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 donne l'impression que son ami est vraiment le meurtrier, il a été retrouvé à côté d'un corps avec euh, l'arme du crime dans les mains. Euh, en plus, c'était un soir très tard. Et puis, il a eu euh, des mots assez virulents avec euh, la victime peu de temps avant. De toute façon, ils étaient opposés, très, très fermement euh, opposés l'un et l'autre sur un sujet. Euh, l'ami le, le, de Gemma Rose avait un, un projet qui lui tenait à cœur et euh, la personne qui a été retrouvée morte était totalement contre. Donc euh, voilà, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, qui, qui donnent l'impression que, que l'ami de Gemma Rose est, euh, est totalement le meurtrier, mais elle n'y croit pas du tout. C'est un ami qu'elle a depuis l'enfance, enfin non pas l'enfance, mais ils ont fait leurs études. En enfin voilà ça fait depuis puis des années et des années qu'ils se connaissent et et non quoi elle y croit pas et elle veut faire tout ce qui est possible pour pouvoir et eh bien euh, euh, défendre son ami voilà donc voilà l'enquête dans, dans laquelle on est en plus, euh, eh bien, il y a toujours l'inspecteur O'Connor que Gemma Rose connaît bien, puisque euh, c'est, elle a vécu une, une histoire avec lui il y a, y a un petit paquet d'années, une histoire euh, qui aurait pu aller loin jusqu'au mariage, mais ça n'a pas été le cas. Et, euh, et donc, bah, c'est cet inspecteur qui est en charge de l'enquête et euh, bah, elle a bien envie de, 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 de lui expliquer gentiment que son ami ne peut pas être le meurtrier. Bon, ça se passe pas tout à fait comme ça, hein. Il suffit pas de dire machin n'est pas le meurtrier pour qu'il soit écarté euh, des suspects potentiels, mais bon voilà Donc une enquête encore assez assez prenante et puis il y a tout un fil rouge derrière parce que euh, Gemma tient son salon de thé on se retrouve avec euh, des, euh, des personnes âgées euh, assez vives assez dynamiques euh, qui elles aussi veulent mener l'enquête euh, qui parfois se mettent un petit peu en danger aussi et puis euh, dans le salon de thé et eh bien il y a la meilleure amie de Gemma qui travaille euh, la mère de Gemma qui est un peu pénible, et eh bien elle s'occupe des gâteaux et tout, sauf que là en fait elle a décidé de partir en voyage et, et elle se retrouve euh, Gemma sans, sans pâtissière, elle-même n'étant pas douée en cuisine, sa meilleure amie non plus. Donc euh, il y a des petites histoires aussi avec ça et on retrouve aussi la chatte tigrée euh, qui s'appelle Muesli qui est assez euh, rigolote. Alors, dans tout ce que je vous dis, ça peut vraiment vous faire penser euh, comme je vous disais aux enquêtes d'Anna Svensen on a un chat on a une mère pénible on a on a une, euh, un salon de thé avec euh, avec notamment euh, une amie qui travaille là-bas enfin voilà mais je vous dis pour moi j'ai pas du tout l'impression de lire euh, une copie conforme euh, à, à cette série de cozy mystery si vous l'avez pas découverte allez-y euh, vraiment vous allez passer forcément à, à un très bon moment ce sont en plus des livres qui se lisent assez vite, euh, donc euh, c'est agréable. Ce livre m'a accompagné notamment sur la fin de trajet pour revenir d'Italie et tout le lendemain, euh, et c'était cool. Ensuite, une fois que j'ai fini ce livre, j'avais encore un petit peu de temps, euh, puisque, euh, eh bien, en fait, j'avais prévu le, le troisième tome de Momalo dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. C'était ma dernière lecture du mois de juillet, normalement. Ben oui, mais je l'ai terminé euh, un jour et demi avant euh, la, la fin du mois et euh, il me fallait que, que je finisse le mois <laughs> avec d'autres lectures et c'est là que j'ai sorti le quatrième tome de Blackwater. En fait... Vous savez, mes copines du gang du Todd Bag, donc Estelle de Petite Lectrice, Florence de Fluent Books et Angie de Madame Chachali, m'ont offert euh, les, euh, les deux premiers tomes de Anne de Green Gables que j'ai très très hâte de découvrir, qui sont aussi édités par Monsieur Toussaint L'ouverture. Et en fait, je sais pas, c'est peut-être bizarre, mais dans ma tête, je me suis dit, je ne commence pas cette série tant que j'ai pas fini la série précédente que j'ai du même éditeur, qui est Blackwater. Je m'étais arrêtée au tome 3, alors j'avais beaucoup 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 aimé les deux premiers tomes. Le troisième tome, je ne sais pas, ça l'avait un petit peu moins fait avec moi. Je crois que c'est la maison, le troisième tome. Euh, on a la crue qui est le premier tome, la digue qui est le deuxième, la maison qui est le troisième. Et je ne sais pas, le troisième, euh, j'ai trouvé peut-être plus mou, plus lent. Ou peut-être que moi j'étais dans un autre état d'esprit parce que quand je lis les commentaires sur Instagram, et il y a de très nombreuses chroniques sur les livres de la série Blackwater, quand je lis des choses sur ce troisième tome, bah pour certains ça a été un coup de cœur. Donc c'est peut-être moi, j'étais peut-être pas dans un état d'esprit, j'ai lu au mois de juin, j'ai pas eu un mois de juin euh, magnifique, je crois que ça a été l'un des pires mois de... De, de, de ces derniers temps, de ces dernières années, ça, je me rappellerai longtemps de celui-ci. Donc peut-être que c'est lié à ça, je ne sais pas. Mais c'est aussi pour ça que je ne me suis pas amusée à caser euh, rapidement des tomes de Blackwater entre deux lectures ou même à les planifier. Mais là j'avais le temps, j'ai vraiment envie de lire Anne de Green Gables, donc je dois être à jour dans Blackwater parce que j'ai envie de faire ça comme ça. Donc j'ai sorti La Guerre. Ce tome, du coup, euh, alors ne m'attirait pas forcément parce que le troisième tome, comme je vous dis, j'ai ça n'a pas été mon meilleur, ma meilleure lecture de la série Blackwater. Et il s'appelle La Guerre. Et il euh, y a quand même certaines scènes dans Blackwater qui sont un peu, euh, euh, parfois un peu dures. Et là, je me suis dit La Guerre, si on est au front, ça va donner quoi niveau horreur les couvertures sont toujours aussi magnifiques. Quand on regarde bien le détail, on voit ici des avions, on voit un bébé, on voit ici des tireurs, des gens qui dansent. Voilà le dos et l'arrière du livre. Et à côté du code-barre, on a le prix et on a un petit merci. Ce alors, au final, mes craintes n'étaient pas du tout justifiées et j'ai adoré ce tome. Euh, au niveau de l'horreur qu'on a pu voir dans, dans le premier tome, le deuxième tome, je vois plus, ou alors je suis habituée, je sais pas. Je le vois plus. Il y a toujours des côtés un petit peu fantastiques, mais ça va, moi ça, ça me gêne pas trop. Fantastique, c'est pas trop mon truc, mais là, globalement, ça va, ça va. Ça le fait, c'est pas. Euh, on n'est pas sur des choses euh, qui vont trop m'embêter. Euh, on peut lire des tonnes de pages sans avoir une petite dose de fantastique, euh, donc ça me va. On est toujours avec nos personnages. On a toujours un résumé au début qui nous permet vraiment de reprendre la lecture. Là, ça faisait un mois que j'avais pas lu un livre de la série Blackwater, alors que les trois premiers, je les avais lus quand même assez vite. Je crois que j'avais dû les lire genre en. Euh, trois tomes trois semaines quoi, enfin euh, euh, je les lisais en une journée mais je lisais euh, un tome, une semaine après un tome, une semaine après un tome et puis là je fais un mois après, le résumé du coup était cool, était <laughs> vraiment la bienvenue, ça m'a aidé à re-rentrer dans l'histoire, à me rappeler ce qui s'était passé au niveau des personnages et je me rappelais plus de tout euh, vraiment. J'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir Elinor. Euh, les personnages changent, ils, ils vieillissent, euh, ils, euh, leur, leur, euh, leur comportement aussi, leur, leur, euh, leur état d'esprit. Euh, certains sont plus sereins. Euh, certains euh, sont plus sages, euh, on découvre d'autres, un peu d'autres personnages qu'on avait laissés un peu de côté, on les voit évoluer, il y a des choses un peu, un peu difficiles, hein. il y a quand même des scènes hein, un peu dures euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent se passer, mais globalement, moi, ça l'a totalement fait, je, je, euh, je suis très contente d'avoir lu ce tome, ça m'a totalement euh, euh, remis dans, dans cette série comme je vous dis le troisième tome m'avait un peu euh, euh, m'avait un peu moins plu et donc j'étais moins dedans avec ce quatrième tome je reviens bien dans cette série je, 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 je l'ai lu avec beaucoup beaucoup de plaisir euh, et euh, et voilà je suis prête je suis prête pour lire la suite Vraiment, ça a été un, un super moment de lecture. Et, euh, et, et voilà, là, le quatrième tome est lu. Il y aura le cinquième, il y aura le sixième, et après, cette série sera terminée. Malheureusement, je... c'est des livres qui restent courts. On est sur du 250 pages. Je reste admirative de la façon dont ça a été euh, fait au niveau marketing. On est à la base sur un livre, un gros livre, euh, qui a été publié il y a un bon paquet d'années, il y a 40 ans. Et, et voilà, là le livre a été remis au goût du jour, il a, il a eu le droit à des couvertures magnifiques, il a été découpé en plusieurs tomes, alors qu'à la base c'est un gros livre. Euh, ces tomes ont du sens, ce découpage a du sens. On n'est pas sur un tome qui fait 100 pages et le suivant 300 pages parce que l'intrigue fait que... Non, 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 <laughs> pardon. On est vraiment sur un découpage à chaque fois à peu près de 250 pages. Alors j'ai pas regardé si euh, la police de caractère changeait d'un euh, livre à l'autre pour rester sur ce 250 pages en trichant un petit peu. J'ai pas regardé, je ne me suis pas intéressée à ça. Mais en tout cas, je trouve le découpage assez judicieux. On a vraiment l'impression de lire des, des tomes d'une série, mais sans... Euh, sans avoir l'impression que l'histoire est pas censée s'arrêter là, si vous voulez, je, je trouve ce découpage très judicieux et, et tellement qu'on oublie qu'à qu la base, c'était un gros livre en fait. Voilà. Donc, ce tome 4, la guerre. Ensuite, j'ai lu un livre de la rentrée littéraire, Albin Michel, La revanche des orages de Sébastien Spitzer. Déception. Sébastien Spitzer, j'ai lu trois, euh, bah maintenant j'ai lu trois des quatre livres qu'il a écrits. Il a écrit « Ses rêves compiétines » que j'ai adoré, 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 adoré. Mais lisez-le si vous ne l'avez jamais lu. L'écriture de Sébastien Spitzer est, est extra, vraiment très très bonne. Dans ce livre « Ses rêves compiétines », on va suivre en parallèle, euh, en fait on va suivre la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va suivre « Magda Goebbels » avec euh, la vie de Magda Goebbels, comment elle en est arrivée à se marier avec euh, Goebbels, euh, comment elle en est arrivée là, et on suit les derniers jours euh, de sa vie et de la guerre, et en même temps, on retourne en arrière pour, pour euh, connaître euh, sa vie complète. Et en parallèle, on suit la fin de la guerre. Euh, dans euh, des camps de concentration, euh, des, euh, des personnes libérées par les Américains au fur et à mesure de, de, de leurs avancées. Euh en France, enfin, voilà, on, on, on suit cette fin avec des scènes dures, hein. c'est pas parce que c'était la fin qu'il n'y a pas eu de, de, de choses abominables qui ont été faites. Les premières scènes, je me rappellerai pendant un moment, elles sont dures, mais euh, j'ai ai beaucoup aimé ce parallèle en fait sur, sur la fin de la guerre et sur, euh, sur ces, ces sortes de d'élites autoproclamées qui déclinent. Et, et qui du coup se sont petit à petit en danger, et ces personnes qui étaient en danger, et pour certaines qui revivent parce que libérées, et voilà. Enfin, et en même temps de tout ça, on a les soldats américains, Qui, je, enfin je parle des soldats américains parce que j'ai eux en tête, je ne sais plus s'il y avait avec ou pas, mais en tout cas on les suit euh, libérés et arrivés dans des villes et découvrir des choses, et se dire, mais c'est quoi ce truc en fait qu'est-ce qui s'est passé il savait pas que ça avait été à ce point-là et il libère des gens dans des conditions mais inhumaines et, euh, et il découvre tout ça et voilà c'est très intelligent comment ça a été rédigé c'est très intéressant euh, sébastien spitzer je sais plus s'il a été journaliste mais en tout cas il a totalement une dé démarche journalistique dans, dans, euh, dans sa façon de d'écrire et dans sa façon de, de, de se renseigner sur, euh, sur des sujets. Voilà, donc Ses rêves qu'on c'est le premier que j'ai lu, extra, je, je vous le conseille totalement. Il a écrit Le cœur battant du monde, que je n'ai pas lu, euh, qui est sorti en poche actuelle, enfin, euh, il est sorti en, chez Albert Michel en 2019, mais depuis il a été sorti en poche, je l'ai dans ma palle, je ai pas encore lu. Et il a sorti La fièvre, qui faisait partie de la rentrée littéraire 2020 Alpin Michel que j'ai lu euh, peu de temps après sa sortie et que j'avais beaucoup aimé. Et alors là, très intéressant parce que euh, et ben rentrée littéraire 2020. On sortait, euh, alors pas du Covid, mais on sortait du premier confinement. Euh, on était au mois de septembre, euh, on a été plus ou moins déconfiné à l'été, donc euh, voilà. Et puis la fièvre, euh, eh bien, euh, on, est, euh, on... Ah, est... Je crois qu'on est à Memphis en 1956. J'espère ne pas dire de bêtises, mais en tout cas, on est du coup sur quelque chose d'assez similaire, un virus comme ça, qui a été... Euh qui qui, euh, qui a attaqué. Alors, euh, niveau de, très ciblé, niveau géographique, mais c'était très intéressant de lire ça. Euh, C'est un sujet qui m'aurait pas forcément passionné, mais grâce à l'écriture de Sébastien Spitzer, j'y ai été et puis j'ai appris des choses. Du coup, Sébastien Spitzer, qui sort un livre pour la rentrée littéraire Albin michel 2022, je fonce, je ne me pose pas de questions, j'y vais. Voilà, je sais que je, ça, ça le fera. J'ai retrouvé avec grand plaisir son écriture. Vraiment, euh, au bout de quelques pages, je me suis dit, je suis trop contente. C'est vrai qu'il a une écriture particulière, qui est hyper agréable à lire. Je suis trop contente de, de le retrouver. Le souci, c'est que cette écriture, petit à petit, euh, m'a un peu embrouillée parce que il a de, 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 de jolies figures de style, de jolies tournures de phrases, et euh, à la fin, il euh, y a des fois où, où où il décrivait tellement des choses sans, sans utiliser ça ça fait un peu le jeu tabou vous voyez on a euh, surtout il faut décrire un mot sans utiliser faire deviner un mot sans utiliser le mot ou des mots de la même famille des fois j'ai l'impression d'être dans ce truc là et à la fin il me perdait, en fait je savais même plus de quoi on parlait euh, là où j'ai été perdue aussi c'est au niveau du temps on démarre en 1958 55 pardon on démarre en 1955 euh, avec une certaine situation, puis on va repartir dans le passé. Et il y a des moments où euh, on ne sautait même pas de chapitre, ni même de paragraphe. Et je me disais, attends, euh, par rapport à la phrase d'avant, est-ce qu'on est dans le même espace-temps <laughs> Est-ce qu'on est dans la même période Est-ce que entre deux phrases, enfin quand je dis paragraphe, c'est euh, euh, vraiment, enfin, euh, il faut que j'arrive à trouver. Voilà. Par exemple, j'ai l'impression que entre ici et ici, il pouvait s'être écoulé des fois deux, trois ans en fait. J'ai eu des doutes à des moments ça m'a un peu un petit peu perturbé. Donc il y a eu euh, on a été parfois tellement loin dans dans, dans certains descriptifs sans les nommer que euh, il m'a perdu. Voilà, il m'a perdu par moments. Alors, est-ce que c'est moi qui ai changé et qui après avoir lu des thrillers, des policiers ou oh, tac, tac le rythme il est rapide j'arrive plus je n'ai pas réussi à lire euh, ce style de livre où euh, l'objectif du livre n'est pas un page de faire un page turner pas du tout du tout du tout <laughs> euh, on est dans la rentrée littéraire hein. <laughs> donc est-ce que c'est est moi qui par rapport à mes lectures précédentes euh, n'a pas réussi à faire euh, la démarche intellectuelle pour rentrer dans ce livre, euh, ou est-ce que vraiment euh, c'est sûr, c'est un changement d'écriture de l'auteur qui va encore plus loin, et qui du coup euh, va trop loin pour moi, et ça devient trop littéraire, je ne sais pas. En tout cas, le sujet était intéressant, puisque on suit... Claude iserly euh, euh, qui est un pilote et qui, en fait, a participé, euh, pilote américain, qui a participé au, le 6 août 1945 au bombardement d'Hiroshima. Donc, il y a des choses euh, qui, euh, qui sont vraies. C'est mis au début, note de l'auteur j'ai raturé les dates, secoué quelques détails, maquillé des prénoms, mais dans le fond, tout est vrai. Le major, le major Claude iserly a bel et bien vécu et ses fantômes aussi. Donc il a participé au bombardement d'Hiroshima. Il a été accueilli par les Américains quand il est rentré chez lui comme un héros. Sauf qu'il a une voix qui le hante en fait. Voilà, une voix qui le hante. Qui et depuis il, euh, depuis qu'il a vécu ça, euh, depuis qu'il a participé à ce bombardement, cette voix vient le hanter et vient lui bousiller sa propre vie. Il avait une femme, des enfants et euh, voilà tout ça c'est balayé. Il, il ne vit plus. Par rapport à cette voix qui le hante et cette voix le hante par rapport à ce qu'il a fait participer au bombardement d'Hiroshima. Voilà, le sujet est intéressant. Je l'ai lu en une journée, donc euh, voilà, ça, ça se lit très bien. Il n'y a pas de souci. J'ai appris des choses par rapport à tout ça. Ça me donne envie de creuser davantage sur la vraie vie de, de Claude Ezerly. Euh, J'ai juste été un petit peu perdue par l'écriture. Et je vais terminer par une épreuve non corrigée. Charleston sur ma liseuse. Alors, il s'agit de Petit meurtre à Endgame d'Alexandra Benedict. Il s'agit d'un roman policier de Noël, mais surtout, ce livre est une expérience incroyable. <laughs> Euh, en fait, j'aurais tendance à le, à le comparer au 7 euh, morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart turton. Alors, en disant ça, j'imagine certains d'entre vous dire « Oh là 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 là, je ne veux pas y aller » parce que les Sept morts d'Evelyn Hardcastle, c'était loufoque. Ouais, c'est vrai, c'était loufoque. Mais en fait, j'ai tendance à comparer ce livre à ça pour plusieurs raisons. Déjà, on est un peu dans le même, euh, dans le même contexte. Un contexte, enfin... Euh, une ambiance à la Agatha Christie. On est dans une grande maison avec un certain nombre de personnages et il se passe des choses bizarres. Et le côté grande maison et tout. Euh... Bon, je, 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 je me trouvais vraiment dans une ambiance à la Agatha Christie. Et là où je le compare aux sept morts d'Evlinard Castle, c'est notamment parce que c'est un peu ce à, ce à quoi je m'attendais dans les sept morts d'Evlinard Castle. Ça n'a pas eu lieu, mais ça a été le cas dans ce livre. Euh... C'est un peu loufoque, c'est un peu bizarre, c'est un peu tout ce qu'on veut. Euh... Bon, en revanche, l'histoire, elle est très simple. On a... Très simple et très original, mais je... L'autrice est très joueuse. L'autrice est très joueuse. Euh, en fait, on... Donc, on se retrouve avec plusieurs personnages dans une grande maison. Les personnages ont tous un lien familial, cousins, frères, sœurs et tout. Et en fait, il y a, ben, a quelqu'un de leur famille, la mère de certains ou la tante de certains ou la mère adoptive de certains. Euh, cette personne-là est décédée. Et en fait, en décédant, elle a fait, elle a mis en place une sorte de jeu. Elle a dit ok, voilà, je, quand je décéderai, euh, au Noël suivant, mais bon, elle, elle se doutait qu'elle décéderait dans pas si longtemps que ça, parce que la mort était peut-être pas forcément naturelle, et euh, du coup, elle a, elle a un peu tout prévu. Elle était, ce personnage était déjà très joueur, mais l'autrice étant très joueuse, c'est un petit peu logique. Et ce qu'elle fait, c'est que euh, elle a fait une sorte de jeu de piste, euh, un peu de chasse au trésor. Et euh, le gain de cette chasse au trésor, c'est l'héritage, c'est cette fameuse maison notamment où ils sont tous rassemblés. C'est bizarre. Hein. On sait quand même, euh, notamment quand on lit Agatha Christie, on sait que l'histoire de l'héritage, c'est euh, un, un excellent mobile pour commettre un meurtre. Il y a toujours la question à qui profite le crime. Et voilà. Donc, quand quelqu'un meurt, à qui va euh, l'argent Oui, mais sauf que quand là, il peut aller à n'importe qui et le premier qui trouve gagne la maison, ça donne envie euh, les uns les autres de ne pas être forcément gentil. On ne peut pas être gentil en poussant quelqu'un ou en l'envoyant sur une mauvaise piste on peut être méchant en allant largement plus loin que tout ça. Voilà. Donc, ambiance à la Agatha Christie. Petite ambiance à la Ils étaient Dix. Un petit peu. Hein. Pas totalement, mais un petit peu. Notamment, euh, dans Ils étaient Dix, euh, eh bien, euh, les personnages sont rassemblés, on ne sait pas pourquoi. Et puis, il euh, y a euh, cette bande-son qui passe en, euh, en leur donnant quelques, quelques éléments euh, qui viennent un peu troubler tout ça. Voilà. Bon. Là, euh, le, le personnage qui, euh, qui est mort a laissé donc beaucoup d'instructions à des personnages en qui il avait confiance, notamment une, un personnage qu'on qu qu voit et qui, euh, qui est euh, censé être un peu le, le maître du jeu. Euh, que vous dire d'autre par rapport à l'histoire euh, Eh bien, ce livre se lit bien, donc, même si ça se passe à Noël et que j'ai lu ce livre en plein été, ça m'a pas trop posé de soucis. Parce que oui effectivement ça se passe à Noël mais euh, moi je vous dis j'étais un peu dans un Agatha Christie euh, S'ils si avaient passé leur temps à euh, décorer un sapin à boire du chocolat chaud à ouvrir leurs cadeaux à faire les achats de Noël euh, à à manger du foie gras euh, et euh, du chapon de la dinde ou des marrons enfin ouais ça m'aurait beaucoup dérangé mais en fait c'est pas l'objectif non plus c'est euh, c'est secondaire l'objectif c'est euh, on est sur un, un roman policier, euh, un peu classique, euh, dans un contexte, une ambiance à la Agatha Christie, et en plus ça se passe à Noël. Il bon, y a quand même un autre lien aussi avec une sorte de contine, ce qui peut aussi faire penser à Ils étaient dix. Mais euh, c'est pas. Euh... Enfin quand je dis que ça me fait penser à Ils étaient dix, c'est vraiment parce que je, je vis Agatha Christie. Hein, c'est mon autrice préférée. Je vais repérer le moindre petit truc qui me fait penser à Agatha Christie. Je pense que quelqu'un qui a, qui a à peine lu Ils étaient dix ou qui l'a lu une fois il y a très longtemps ne verra pas forcément bien. Mais euh, on n'est pas sur une copie conforme non plus. Voilà, donc il euh, donc y a ça, donc voilà un peu comment ça se déroule. Un jeu de piste, c'est un peu original. Euh, et puis, il y a l'autrice qui est plutôt joueuse. Donc elle s'est amusée, en fait, à, à glisser. Des anagrammes tout au long du livre. En fait, le livre est découpé en 12 jours. Euh, elle s'appuie sur une cantine euh, sur, euh, avec 12 parties, mais justement en lien avec ces 12 jours. Et dans ces, ces parties-là, il y a certains, certains mots, certains groupes de mots. Et elle s'est amusée à glisser un anagramme de ces groupes de mots dans chaque partie. C'est très rigolo. Euh, le problème, c'est que moi, j'ai été vraiment prise par l'histoire. Euh, parce que l'écriture était fluide et tout ça et tout ça. et euh, chercher l'anagramme, en plus c'est des parties, si vous voulez, ce serait un anagramme par chapitre ou un anagramme sur certains chapitres. Bon, à la limite oui, je peux essayer de me concentrer sur un petit nombre de pages sur l'histoire et la recherche de l'anagramme. Mais là, on est sur des parties assez importantes. Euh, et euh, voilà. Alors, il y en a un que j'ai repéré parce que elle le dit à me donné, Elle dit, euh, faut repérer aussi les phrases un peu loufoques parce que des fois c'est un peu loufoque parce que elle a eu beaucoup de mal à mettre en place son anagramme. Et donc il y a des fois où elle a, elle a mis des, des anagrammes qui veulent trop rien dire. Donc il euh, y a des fois où on se dit ah oui non là c'est tellement bizarre que ouais ça doit être un anagramme. Mais sinon j'en ai repas repéré beaucoup. Les solutions sont à la fin si ça vous intéresse. Elle s'est aussi amusée à glisser des titres de livres qu'elle aime beaucoup. Alors j'en ai repéré un, il euh, y en avait beaucoup plus que ça mais c'est pareil j'ai pas vu passer. Euh, donc c'est très joueur. Il y a un côté un peu loufoque. En fait si vous voulez sur ce style de jeu il y a euh... Il, aurait pu y avoir deux, enfin, il peut y avoir deux chemins, en fait. Enfin, ça peut être des jeux, si vous voulez, on est sur, sur des énigmes et tout ça. Mais, il peut y avoir plusieurs sortes d'énigmes, en fait. Euh, les, les personnages eux-mêmes doivent résoudre certaines énigmes pour pouvoir accéder à des choses. Et en fait, on est sur des énigmes assez... Euh, assez littéraire si vous voulez on est sur euh, là les énigmes pour nous ce sont des anagrammes euh, donc des jeux avec des des lettres euh, on, on, les personnages ont des énigmes mais ça fait un peu les énigmes euh, à la perfourasse en fait enfin euh, euh, c'est pas tout à fait ça mais si vous voulez vous avez un long texte un peu euh, une sorte de poésie et à la fin de ce texte là faut trouver le lieu euh, où on peut trouver euh, une clé non oh, non mais ça fait très fort boyard en fait <laughs> Et du coup, comme on doit, euh, euh, en fonction de, des mots qui sont utilisés, ça fait référence à d'autres mots. Alors, nous, on n'a pas les clés, justement, on n'a pas les éléments pour pouvoir résoudre ces énigmes, parce qu'il aurait fallu euh, vivre avec le personnage qui est mort, ce qui n'est le cas d'aucun de, d'entre nous. Donc, euh, elles sont pas pour nous, ces énigmes. Mais on voit la résolution et on se dit, ah oui, d'accord, c'est vraiment... Euh, voilà. Euh, donc, ça, c'est un chemin. Un chemin euh, anagramme, jeu sur les mots, euh, euh, littéraire, euh, etc. Il y aurait pu avoir un autre chemin qui m'aurait davantage plu. C'est des codes, euh, des, euh, des, ouais, un côté, euh, un côté avec des chiffres, avec euh, euh, voilà, euh, plus, euh, plus comme ça qui moi me plaît davantage avec de la logique, si vous voulez. Euh, et en fait, je pensais qu'on partait sur ça. J'avais pas pensé qu'on pouvait partir sur sur autre chose. Euh, je pensais qu'on partait vraiment sur ça. Et, euh, et et voilà, à un moment donné où je vais vraiment me poser, où je vais, je vais mettre les chiffres, je vais essayer de voir le lien entre eux, voir, euh, enfin j'en sais rien, euh, euh, trouver le chiffre suivant, ou, ou se faire une, une clé de décryptage, ou euh, voilà, ça 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 m'aurait plu, mais c'est pas le cas avec un côté très carré, très minière. on n'est pas sur un côté très carré, on est sur un côté ah <laughs> voilà. Donc euh, c'est pas en fait du coup ce livre nous révèle des petits éléments sur la personnalité de l'autrice, ce serait bien que je creuse davantage pour en savoir plus mais voilà, on n'est pas sur un côté clac 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 euh, shift tac 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 non, on est sur un côté Waouh <laughs> C'est chouette, c'est original, c'est euh, ça change, c'est sympa, voilà. Au niveau du roman policier en lui-même, j'ai trouvé le dénouement assez vite, je, 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 malheureusement. Euh, donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Euh, j'ai trop d'habitudes Agatha Christie qui me... Ces habitudes ont tendance à me desservir sur des policiers et des thrillers classiques. Là, en l'occurrence, on était trop dedans et voilà, ça... Malheureusement, j'ai trouvé trop vite. Mais voilà, c'est une expérience originale, c'est rigolo. Euh... Et pourquoi pas Donc euh, écoutez, si vous voulez changer un peu des comédies romantiques de Noël, partez à Endgame. Petit meurtre au pluriel, vous n'allez pas être déçu par rapport à ça. Et attendez-vous à une expérience un peu loufoque, mais pas autant que les sept morts d'Evlinard Castle. Hein. Là où, il a, où, où Stuart Turton nous a vraiment donné des règles du jeu hyper euh, original, euh, assez incroyable, qui, qui nous demande, nous, lecteurs, de nous mettre à la place de l'auteur. Enfin, euh, ça a été un, un truc assez fou. Là, les règles du jeu sont assez claires, mais ça ne reste pas moins que c'est un peu... Euh, c'est un petit peu original, euh, voilà. Voilà, donc ça, ce sont les livres que j'ai lus. Je vais bientôt passer à une autre lecture. Je vous disais que j'étais à un rythme d'un livre par jour. Ça va bientôt être terminé puisque je vais lire ce petit pavé de 650 pages. Il s'agit d'Hôtel Castellana de Ruta Sepetis. Euh, J'avais été contactée par Folio pour le recevoir. Je m'étais dit pourquoi pas. J'adore cette couverture. J'adore le tissu de la robe. Alors, j'aime bien la robe, mais elle a un côté chemise. J'aurais voulu un autre col en fait. Et, euh, et voilà, le, la, derrière les, les, les monuments et tout donne envie juste de voyager. Euh, donc ça me tombe bien. Ce livre sort le 11 août en poche. Il existe déjà en grand format. J'ai déjà mis mes chapitres. Mes chapitres, j'ai déjà mis mes marque-pages. J'ai pas fait un marque-page par chapitre parce qu'ils sont très courts. Euh, D'ailleurs, à la fin là, on est sur du sang. Note de l'autrice, 149 chapitres. Donc, euh, c'est pas mal, ça va être un rythme assez rapide. Euh, donc, j'ai mis mes, mes marque-pages tous les deux chapitres. Du coup, j'aime bien faire ça, ça dynamise ma lecture, ça me permet de voir euh, où est-ce que je vais et tout ça. Donc, euh, j'ai plutôt hâte. Euh, quand j'ai présenté sur Instagram, euh, quand j'ai fait une story, j'ai eu des retours assez positifs. J'ai vu quelques retours aussi sur Instagram. J'ai utilisé le, le hashtag Hôtel Castellana pour voir un peu les avis. Euh, et euh, j'ai vu de très nombreux coups de cœur en fait, mais même c'est pas des, des coups de cœur, ce sont des énormes coups de cœur ou des gros coups de cœur. Donc euh, c'est plutôt chouette. On, je vais partir en Espagne en 1957. Je connais pas bien l'Espagne, c'est pas un pays qui m'attire. Alors c'est marrant parce que je suis très 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 attirée par l'Italie, beaucoup moins par l'Espagne. Et euh, et voilà, là je vais faire la connaissance d'un jeune photojournaliste américain qui va faire une rencontre euh, la rencontre une rencontre avec Anna qui est une employée du fameux hôtel Castellana et euh, d'après ce que j'ai compris, euh, voilà, les deux amants se retrouvent plongés au cœur d'un des pires scandales de l'époque qui les liera à jamais. Donc je pense que je vais découvrir des choses sur, euh, sur l'histoire de l'Espagne que je ne connais pas du tout. Et à chaque fois que je vous dis je vous parle d'un d'un sujet euh, historique, je vous parlais de la guerre du Vietnam dans l'épisode précédent, mais je vous disais que je connaissais rien du tout. En fait, je, 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 je dois avoir des grosses lacunes historiques, mais alors là, l'histoire de l'Espagne, je ne connais pas grand-chose. Je, ça va me permettre d'en savoir un petit peu davantage. Voilà, j'ai terminé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve très vite. Dès que j'ai lu 4-5 livres, j'essaye je, d'enregistrer pour vous parler de tout ça. Et puis, euh, je vous parlerai notamment du coup d'Hôtel Castellana. Je vous parlerai du tome 5 de Blackwater. Et ensuite, euh, c'est possible que je vous parle de deux, de deux thrillers, sauf si je fais des petites inversions dans le planning de lecture. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de très très bonnes lectures et euh, je vous retrouve du coup très vite! <laughs> à bientôt!